tous, nous sommes mardi 3 novembre, j'espère que vous allez bien en ce début du nouveau confinement. En entendant l'évangile d'aujourd'hui, j'ai pensé à tous les moments où Dieu essaye de se manifester au fond de moi-même. Vous savez, ce petit sentiment de chaleur au fond de soi qui vous dit « Je suis là, je t'aime, viens, suis-moi » et où je me dis que je prendrai bien du temps pour l'oraison, pour me poser un peu. Et je ne le fais pas parce que je suis très occupée. Et j'en suis souvent vraiment désolée. Jésus nous dit dans la parabole aujourd'hui que ce sont d'abord les pauvres et les malades qui rentreront dans son royaume, qui rentreront à son dîner. Et je me dis, mais peut-être au lieu de rester à me désoler de mon incapacité de répondre à son invitation, il vaudrait mieux la reconnaître comme ma pauvreté et ma maladie. Et c'est alors lui qui s'occupera de me faire rentrer dans son dîner. Si pendant le confinement, le chômage partiel, ou même total, vous laisse un petit peu plus de temps et un rythme un peu plus calme, ne vous en désolez pas. Mais prenons ce temps d'écouter cette voix qui dit au fond de chacun de nous, « Tu n'es pas seul ». Tu es invité et attendu à un très grand dîner, à une grosse fête, pour laquelle tout est prêt. Il suffit de répondre simplement « Je viens ». Je vous souhaite la meilleure journée possible et je vous dis à bientôt.